Voilà, donc le match 39. Le match 39, donc les Midnight Builders contre les Team Rex. Voilà, donc c'est sur la table 4, sur la table 4, donc on a le match 39. Hein. Sur la table 2, se prépare. Alors, sinon... Ok, so they're ready on the right. Ils sont prêts sur la table de droite, table numéro 2. Nous avons en rouge, red color, the tennis ball team from Russia. C'est blue, le match the 29, Twerkas, Lost Twerkas. Alors, entre tennis ball et Lost Twerkas. Are you ready on both sides? Yes. Et c'est ce match-là qui va débuter, par lequel on va commencer donc, entre Las Turcas et Tennis Ball. Tennis Ball en rouge. 4, 3, 2, 1, go! Ouais, c'est parti. Alors, petit robot Lego de Las Turcas se déplace très rapidement le long du, vers les cadeaux. Et les ouvre, c'est très rapide. Pendant ce temps, le robot de Tennis Ball, lui, vient de passer successivement sur toutes les assiettes et vient de ramasser toutes les cerises qui sont passées à sa portée. Donc je pense qu'on va assister à une séance de tir en règle. Le robot de Tennis Ball s'est immobilisé. Alors est-ce qu'on va avoir un tir ou pas? Mais le robot Tennis Ball est pour l'instant à l'arrêt, hein. je sais pas pourquoi, tiens, d'ailleurs. On s'attend à ce que, dans quelques instants, le robot commence à envoyer ses balles. Malheureusement, il a l'air en difficulté et il ne bouge plus. Alors, je vais essayer de vous donner un petit flux parce qu'on n'a plus rien de la régie. Donc, je vais quand même essayer de vous envoyer quelque chose. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Pour l'instant, puisque apparemment le réalisateur est allé en pause. Il n'a pas dû être informé que le robot continue tout de suite. Oula, j'espère qu'il va pouvoir revenir, hein, parce que s'il a cru que c'était fini, c'est pas très sympa pour le public. Bon, en tout cas, allez, on essaie de vous commenter déjà ce match. Alors en plus, c'est d'autant plus dommage que nos amis étrangers beaucoup n'ont pas le choix et sont obligés de se connecter à la WebTV pour voir ces matchs. On passe au match suivant, on va laisser donc quelques minutes aux arbitres et aux équipes pour discuter des scores, pour se mettre d'accord, remplir la feuille et de signer un score. Et on passe de l'autre côté, donc sur la gauche, table numéro 4. Donc table numéro 4, on va commencer le match entre Midnight Builders et Team Rex. Allez, je vais essayer de vous donner le flux. Donc il y aura 14 matchs pour cette série. Et c'est parti entre Midnight Builders en rouge et Team Rex en bleu. 4 robots, le petit robot de Team Rex est resté dans la zone de départ. Et les Midnight Builders, donc deux robots assez particuliers. Hein, le robot principal qui est composé d'une tour trouée qui avait posé problème, si vous vous rappelez bien. Lors du premier match, il me semble, je sais plus quand c'était. Et donc, du coup, les petits robots des Midnight Builders qui étaient censés s'occuper des bougies, lui est resté à l'arrêt. Le gros robot de Team Rex est également bloqué de l'autre côté du gâteau. Et le petit robot de Team Rex est enfin sorti et s'est occupé de l'ensemble des cadeaux de l'équipe. Pendant ce temps, donc Midnight Builders essaie de ramener des. Voilà, un de plus avec le petit dinosaure vert de Team Rex. Ah, ils m'ont inversé les couleurs. Donc pour revenir donc au classement, du moins aux qualifs françaises, oui, ils sont finis, mais il y aura peut-être donc des matchs de barrage au cas où des 16e et Djeko. Secondes avant la fin du jeu et tous les robots sont arrêtés. 3, 2, 1, stop.
Team Rex, avons-nous un ballon du côté de Midnight Builders, Arthur? Nous en avions un, mais il n'a pas été coffré. C'est bon, j'ai une bonne nouvelle, le réalisateur est revenu de sa pause, voilà. Donc nous avons le classement donc, des 16 premiers pour la qualif française. Donc nous avons donc en 16e place Ouf Team avec 361 points, Elsi Zelec avec 375, et là on va démarrer ça atteint le gars 3, donc le match numéro 30, c'est entre Monstra Labtech et MC Selec est qualifié. Oh, c'est Atmos Music contre Dim Robotics. Atmos donc. De mon côté, Dim Robotics en pile les verres pour faire des piles de verres qui va directement déposer dans sa zone de dépose. Alors, Dim Robotics en bleu. Oula! Dim Robotics, le robot principal, vient de reculer, de s'arrêter brusquement. Du coup, on a eu le mât de la balise qui a été arraché et la balise qui est tombée à terre. Alors, j'espère que la balise n'a pas eu de problème. Et en attendant, le petit robot. Les robots se sont arrêtés en fait. Le Dim Robotics continue un petit peu, il tourne sur lui-même. Mais sinon, tout a l'air d'être à peu près arrêté. Alors Dim Robotics, c'est lui, le petit participant qui a... Donc il a 14 ans. Hein. Il a 14 ans, le petit participant. Quand je dis que c'est un génie, c'est qu'il a commencé E-Robot à 10 ans. Hein. D'accord. Voilà, ça donne une idée du niveau. Et hier, il y a l'équipe E-Robot qui m'a montré, enfin les Russes, qui m'ont montré une carte électronique faite par lui, donc à 14 ans, avec des CMS soudés. Et je peux vous garantir que les soudures étaient nickel. Bouillame brillante et tout, d'ailleurs probablement au plomb, mais bon. Après, à cet âge-là, c'est pratique, on a des petites mains, on est beaucoup plus agile qu'avec les grands. Oui, mais enfin, la soudure, c'est quand même une technicité, il y en a beaucoup qui font ça pendant plusieurs années et c'est toujours pas idéal. Donc, classement complet, donc. J'en étais donc Ouf Team 16e, MC Zelec 15e, 14e Robotic System avec 381 points. I should have Team Rex against Midnight Builders. We have 21 for Midnight Builders, leaving the victory for Team Rex with 41 points. 41 à 21 pour Team Rex contre Midnight Builders. Alors... Oui, pour le règlement, donc on a. Alors, RCH sur la table numéro 2 qui va rencontrer maintenant 01 Robotics. Donc pour l'instant, on n'a pas eu le feu vert, hein, donc pour donner le classement en général. Je ne sais pas si effectivement il est officiel, celui qu'on a. Donc on va vérifier par rapport au chat si ça correspond. Pour répondre, les gens de l'Ensimelec sont de Limoges. Ah, Ensim, pardon. Ensim, pas Ensim. Alors, Ensimelec, non, sont oui, effectivement, ils sont du Mans. Allez, il y a un match donc qui vient de démarrer. Ce match, donc, le match entre RCH et 01 Robotics vient de commencer. RCH, hein, la Roumanie. Hein. C'est ça. Alors, le robot rouge qui s'occupe des cadeaux pour l'instant sans problème. On a quand même quelques. Oh oui, c'est une sacrée valse là. Les deux robots sont en contact et. Le robot a l'air d'être accroché vraiment au robot rouge. Et je ne pense pas qu'ils arrivent à s'en sortir parce que du coup, le robot holonome ne peut pas se déplacer dans la direction qu'il le souhaite à cause de sa configuration propre et du fait qu'il soit accroché à son collègue. Il reste 15 secondes, 15
Donc on confirme pour l'instant on a les mêmes résultats donc qui sont diffusés donc par Mib Health 49 sur le chat là. Donc on a la même chose pour l'instant, mais bon, il y aura peut-être des modifications, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Alors, on va laisser les arbitres déterminer le résultat de ce match avec les équipes. We will have the results for this game in a few minutes, and we're going to the left of the scene. We have table number 4 here. Alors, on a la fini action pour terminer le match sur la table numéro 2. Et pendant ce temps, on va retourner sur la table numéro 4 pour voir le match entre Emba en rouge contre IMKN. Les Russes en bleu. Donc, on ne peut pas vous répondre pour le draft puisqu'on n'a pas la réponse à cette question. Donc, suivez et suivez-nous sur la Web TV et vous aurez peut-être la réponse lors de Eurobot et la diffusion éventuellement du draft. IMBA, MBA, MBA. De Suisse, toujours les Valaisans. Switzerland, Team MBA in red. Are you ready? You're ready? So, we're going to count. 5, 4, 3, 2, 1, go! Du coup, c'est parti entre Emba et IMKN. Alors, Emba, rapidement, il y a le petit robot qui s'occupe des cadeaux. Pendant que le robot de IMKN a l'air de vouloir faire la même chose, on a un choc entre deux petits robots qui viennent de s'immobiliser. Le robot de IMKN qui essaie plus ou moins de faire quelque chose. On a des déplacements ici, il y a de l'évitement qui était programmé en fait. Et les robots de IMKN qui reculent, laissent le champ libre au robot de Emba. Pour l'instant, le gros robot de Emba, lui, a décidé de s'occuper des bougies. À peu près la même stratégie que le gros robot de IMKN, mais IMKN rencontre plus de difficultés pendant que Emba, lui, peut s'occuper des bougies. Donc il a l'air de vouloir s'occuper de ses bougies, plus des bougies blanches. Il est allé éteindre 5 bougies sauf celle qui est de l'adversaire, bien entendu. Ah, ça y est, donc les deux gros robots là vont se faire face. Il y a un choc, une nouvelle fois, le robot de Emba qui pousse littéralement le robot de MKN. Aïe, 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 ça c'est pas très cool. Et du coup, de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est le petit robot d'IMKN qui a carrément embarqué dans sa zone, qui a ramené le robot d'Emba comme un gobelet. Bon, le robot principal d'Emba qui a décidé d'abandonner les bougies et de s'occuper maintenant des gobelets. Oula! Alors là, donc le robot qui vient de ramener les gobelets, mais qui n'avait pas prévu qu'une assiette soit posée là. Et on a eu un verre qui a volé. Voilà, c'est la fin du match, le ballon est gonflé du côté de Emba. Et également du côté du MKN qui était beaucoup plus subi. Donc le gonflage des ballons réussi pour les deux équipes, two successful balloons. Well, we have three balloons. Alors on a un planning qui est peut-être pas le bon, donc on va pas vous donner la réponse. À moins que Titus c'était la bonne réponse, puisque comme on a décalé un peu la série. Enfin, j'ai pas de confirmation. J'avais juste comme info que effectivement ce qui est en train de se passer, c'est que Eurobot a été avancé. Voilà. Mais je n'ai pas d'infos pour le reste. Voilà, donc c'était normalement on ouvrait les salles à partir de 15h et après le match commencerait, on va dire, un petit quart d'heure, une demi-heure après. Mais on peut pas vous certifier pour le moment. Donc sur la table numéro 1, on reprend. Donc on va s'opposer Turag à l'équipe RCH. Turag, donc les Allemands. Et CRH, donc de mémoire, les Suisses. J'ai un doute tout à coup. Il semblait qu'ils étaient Suisses, mais j'ai un doute. CRH et les Suisses, exact. Voilà. Donc ça va être CRH en bleu. CRH en bleu, exact. Alors, j'avoue qu'on était en plein dans l'organisation. Guillaume, c'est toi qui as suivi le plus? Comment ça se présente là, cette série
Pour l'instant, c'est assez mou. Hein. On a une équipe des Midnight Builders qui a fait un très mauvais match. Tennis Ball également. On s'attendait à quelque chose de beaucoup mieux. Il a ramassé toutes ses cerises, mais n'en a lancé finalement aucune. Il y a vraiment des choses. Donc, 41 points pour Midnight Builders. 21 points pour Los Torrecas. Voilà, donc ça c'est les points de victoire. Hein. Pour l'instant, on a vraiment des matchs vraiment de faible ampleur. Hein. On s'attendait à beaucoup de bons, on n'a pas encore vu le haut du panier. Mais pour l'instant, ça reste vraiment très très simple. Pas d'entraînement, beaucoup de chocs. Donc on va voir là, sur la table numéro 1 entre Turag et CRH. Donc c'est un Turag, les robots qui partent très très vite, ça se croise, ça s'évite, c'est vraiment bien. Hein. CRH, les robots noirs qui sont très 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 jolis avec leur carénage. Bon, du coup on va pas à l'intérieur, mais le système d'évitement là pour l'instant qui a l'air d'être vraiment bien. Donc je sais pas si c'est dû à la précision suisse. Et du coup on se retrouve avec une table qui est déjà bien bien nettoyée, il ne reste plus que quelques verres dessus. Alors deux verres en position initiale, deux verres du côté de l'équipe bleue qui n'ont pas encore été récupérés. Et l'équipe de CRH qui a l'air de vouloir s'occuper des bougies. Ah oui, non, mais il éteint que les siennes, donc du coup les bougies rouges il les a laissées tranquilles sur la file du bas, il s'est occupé des bougies blanches. Et voilà, il continue sa route. Aïe, 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 le premier choc, le Turak qui vient d'embrocher le robot de CRH. Et j'ai l'impression que le petit robot de CRH, lui, pour l'instant, s'est occupé, vu qu'il était laissé tranquille, donc il s'est occupé des cadeaux et avant de s'immobiliser. Et pendant ce temps, donc Turag, donc les deux robots de CRH se sont immobilisés et Turag qui a le champ libre pour pouvoir s'occuper des cadeaux sauf d'un, qui a l'air d'être un poil gêné pour ce dernier cadeau. Donc du coup, je ne sais pas exactement comment il est programmé. On dirait un peu qu'il cherche forcément à atteindre ce cadeau-là et attend que le robot de CRH se pousse. Et donc du coup voilà, le match s'est arrêté, on a un ballon du côté de Turag, on a un ballon de chaque côté du côté des deux équipes. Alors, prochain match NTHU contre RRT sur la table centrale. Donc NTHU, les Taïwanais. Donc, en rouge. Oui, c'est vrai que Robo, c'est Eurobo Open. Hein. Donc c'est Eurobo, c'est une compétition européenne ouverte aux autres pays. Voilà. Nous avons eu déjà des Canadiens, nous avons même eu le MIT les premières années, qui sont partis parce que c'était trop dur. Oui, en 2001 d'ailleurs. Oui, ils ont fini deux années de suite. C'est vrai qu'ils avaient une façon de travailler très... très particulière. J'ai eu l'occasion de bosser avec eux. Je ne comprenais pas en fait leur méthode. Allez, regarde ce match sur la table 3. NTHU RRT. Donc, je rappelle, c'est Taïwan. Taïwan contre RRT, les Autrichiens. Donc le petit robot de NTHU qui est parti pour s'occuper des cadeaux pendant que le gros se déplace assez lentement pour récupérer des verres. Le petit robot de RRT qui vient un peu embêter tout le monde là, qui pousse. Très efficace pour le gâteau en tout cas. Ah oui, effectivement, hein, RRT impeccable, hein, le gâteau. Ah, il y a eu, ouais, il manque une bougie. Il en manque une, mais bon, quand même il y a de la maîtrise. Hein. Et pendant ce temps, il y a le petit robot de RFT qui fait vraiment sa petite moisson. C'est un tout petit robot, mais il a remarqué combien de verres là. 1, 2. Ah, mais c'est lui donc c'est lui qui fait les tours, c'est bizarre. Et pendant ce temps, il y a le robot de RFT qui s'occupe des cerises. Ouais, il vient de perdre ses verres là. C'est dommage. Ah, le tir parabolique. On voit un très gros potentiel hein, sur cette équipe de RRT, hein, donc les Autrichiens. Il y a un très beau potentiel.
Bon, il y a des balles qui sont restées, je sais pas si ça va gêner. Des balles qui sont restées à l'intérieur. C'est vrai qu'il est un peu perdu là. En tout cas, les deux robots de NTHU sont à l'arrêt. Ouais, donc j'ai l'impression que le robot de RRT cherche à atteindre la dernière assiette, a été bloqué. Et voilà, donc c'est la Fini Action là, qui clôt ce match. En fait, pour résumer tout à l'heure le cinquième tour hein, de qualification à la Coupe de France, c'est Robotic System qui a dégagé Cybernetic en noir. Voilà, ça résume le classement, le changement. C'est voilà, Robotic System est monté, s'est qualifié et a dégagé par la même occasion Cybernetic en noir, qui est tombé 17e malheureusement. Donc pour répondre un peu plus en approfondi sur la question, donc que se passe-t-il en cas d'égalité donc dans les phases finales, en fait on rejoue le match une première fois et après si pendant la deuxième fois le match est toujours à égalité, c'est suivant en fait une action dont je ne connais pas laquelle qui prime celle qui aura été effectuée la première. Voilà, oui, c'est détaillé dans le règlement. C'est détaillé dans le règlement, ces cas-là sont prévus. Hein. Donc du coup, sur la table numéro 2, on a donc Serbian Robotic Team contre l'Unic Team. Unicity. Je crois, il me semble que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est Unicity. Ouais, c'est Unicity. Italien. Donc normalement, ça serait à 15h où on fait donc la finale. Mais bon, on ne peut pas vous certifier puisqu'il y a eu déjà une modification de planning aujourd'hui. Donc... restez attentifs. Donc sur la table numéro 2, donc Unicity Team qui a fait quelques petits tours, des tours de deux étages. Il ne reste plus beaucoup de verre sur la partie centrale. Et les robots sont tout, équipés de tous les cadeaux quasiment. Il en reste encore une, voilà. Je pense que ça va être réglé. Voilà. Unicity Team a également ouvert tous ses cadeaux, donc tous les cadeaux ont été ouverts. Aïe aïe aïe, le robot du Unicity Team qui vient de rencontrer le robot à l'arrêt des Serbes et qui va essayer, j'ai l'impression, d'atteindre les bougies. Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que le robot va s'arrêter là? Ah, j'ai l'impression que ça va être... Hop, non, il se bouge. Je sais pas très bien ce qui se passe là. Non, il essaie en fait de souffler les bougies qui ont déjà été soufflées, j'ai l'impression. Donc voilà, je crois que ça se termine. Tandis qu'il y a l'équipe RCA qui s'installe sur la table 4. Contre Montefiore. Voilà, et RCA, donc je rappelle, c'est le record des tours. Hein. Ils font des tours de 8. RCA, des tours de 8, donc 144 points sur une action, ça calme. Hein. Mais comme on disait tout à l'heure, ça fait pas vraiment peur à RCVA, parce qu'RCVA sont très rapides pour prendre les gobelets. Et donc, pour faire une tour de 8, il faut d'abord les récupérer. Et RCVA va pas se laisser faire. Donc RCA de Aix-la-Chapelle. Donc les Allemands et Montefiore. Alors, ce sont deux équipes qui se sont vues il y a 3 semaines à la Coupe de Belgique. Hein, puisque la Coupe de Belgique est open. Donc il y a des équipes qui peuvent être invitées. Et notamment, il y a RCA qui était invitée. Donc Montefiore y était forcément, c'était l'équipe belge. Et je pense que ces deux équipes ont déjà dû faire un match ensemble. Donc en tout cas, ils se connaissent très bien. C'est là où on sent que peut-être qu'il y a peut-être du logiciel fait un petit peu ou quelques paramètres qui ont été adaptés. Enfin, il y a eu de l'évolution forcément entre les deux robots. Quand on voit déjà l'évolution au sein même de la coupe chez nous, il y a quand même des choses qui ont été modifiées depuis, je pense. Ouais. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et allez, c'est parti. Donc, on regarde RCA. Oh là là, RCA oui, a raté son départ. Les deux robots ont été très rapides. Et du coup, les robots de Montefiore, donc ces robots éléphants avec leurs trompes là. Le robot principal vient de rencontrer RCA en plein milieu de la table et se sont immobilisés. Pendant que le petit robot de Montefiore, lui, s'occupe avec sa trompe d'éteindre les bougies.
Il fait très bien en tout cas. Hein. Le petit robot lui de RCA est resté dans son stand. C'est peut-être une stratégie avec une sortie en fin de match. En fait, il a un problème, il n'arrivait pas à enlever la tirette. Ah, il a un souci avec la tirette. Oui, il a touché le robot même, donc on sait pas. Ah, bon alors. Il a dû toucher le robot pour essayer d'enlever la tirette. Bon alors on a le robot RCA qui essaie de... qui est en train de faire sa pile. Ah oui, RCA avait raté son deuxième match et du coup ils sont pas si bien classés que ça, hein. Ils sont cinquième. Et Montefiore est devant en fait, hein, les troisièmes. Voilà, donc les gros robots qui sont libres. Oh là là, donc le gros robot de RCA qui est complètement déréglé. Elle est quand même assez marrante cette trompe. Ouais. Oui. C'est très... Alors, ça laisse présager ce type de match, des matchs passionnants sur Eurobot, parce que là, on voit que c'est deux équipes qui ont un très fort potentiel, et dès qu'elles sont confrontées l'une en face de l'autre, c'est, voilà, ça ne tourne pas forcément aussi bien. RCA a un potentiel énorme, et là, ils n'arrivent pas à l'exprimer. Hein. Surtout que RCA, là, il a essayé de se faire souffler, bouger, mais n'a pas réussi, il est mal placé. Donc, a priori, avantage... C'est un avantage bleu, un avantage Montefiore, je crois. Voilà, au moins toujours le très gros ballon du côté du petit robot de RCA. RCA. Nous avons un match 100% francophone. Donc là, on a un match dans la table 1. Tout le monde est prêt? Alors, on y va. Allez, Octopic Severa. 5, sur la table numéro 1. 3, 2, 1, go! Octopic CVRA, il me semble. Octopic, voilà. Octopic CVRA, Octopic est en rouge. Hein. Ah, j'adore le système de bras d'Octopic et puis le ventousage, regardez. Ah, vous avez de belles images, là, profitez-en. Au niveau de la réalisation, ça tombe bien. Regardez, on voit parfaitement l'assemblage. J'adore ce côté humanoïde un peu. Oui, c'est vrai. Pendant ce temps, Octopic a décidé de se lancer dans la récolte des cerises. Du côté suisse. Et les tirs sont assez jolis. Hein. Et 4 cadeaux. Et de son côté, c'est Vera qui continue à ramasser ses verres. Alors, en fait, c'est deux robots simples et efficaces. Hein. C'est... Je dirais pas forcément simple, hein, parce que mine de rien, un bras, c'est pas forcément évident à gérer. Oui, non, je dis simple, en fait, je veux dire, voilà, c'est simple à comprendre, voilà. On voit les actions sont très, très claires. Allez, en tout cas, au niveau des bougies, il va plus rester grand-chose à la fin du match, en tout cas au niveau bas. Ouais, donc c'est terminé. Un ballon, ah oui, un ballon du côté suisse. Voilà, c'est un très beau match. Hein. Très beau match pour deux robots d'un très bon niveau. Donc c'était bien une égalité entre Unicity et Serbian Robotics Team, 59 à 59, donc c'est pas souvent qu'on a des égalités hein, à ce niveau. RCT qui est en bleu, RRT en bleu et qui joue contre NTHU donc en rouge. Victory 117 points à 65 pour Turak. Nous allons commencer. Alors, il reste plus beaucoup de matchs. Hein. Je pense. Alors, il va peut-être en rentrer un dernier derrière scène. Il y a 14 matchs en tout. Donc, on en a combien? Si on se tourne directement, on voit Hungary, c'est bon. 11, il en reste 3. 3 matchs. Et de l'autre côté, je crois qu'ils viennent de Tunisie. Et du Canada.
sur la table numéro 2. Ok. On a eu peur. Un robot est quand même parti. On a le robot bleu qui est parti pendant que. Pendant que Léon, Bois, eux sont immobilisés. Il a rasé la moitié des verres. Je n'arrive pas à compter, mais il y en a beaucoup. Wow. 4, 6. Magnifique. 10 verres, non ? C'est tout ? Je crois que 9. Combien d'autres ? 9. Oui, 9. Ouais, 9, exact, oui. Il y en a 12, il en reste 3. Ah, ça y est, le robot rouge a décidé de sortir. Donc, alors, est-ce qu'il va se diriger vers les derniers verres ? Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il ramène au moins un verre. Deux. Non, un seul. Dans sa zone, mais j'ai l'impression que ça n'arrivera même pas dans la zone. Il est parti un peu de travers. Il est parti se coller contre une table avec un verre dans les pinces. Va-t-il réussir à le marquer ? Il reste 30 secondes de jeu, Arthur. Allez, donc le robot de l'université de Moncton en a vraiment profité. Hein, il a récupéré tous les verres. Il était tout seul sur la table. Et malheureusement, donc le robot hongrois, c'est Robot to Me. Vient d'arriver, ça sera qui vient d'arriver dans la série 3, hein, donc qui n'a pas participé aux deux premières séries, et l'autre c'est l'université de Moncton. Donc à l'heure actuelle, toutes les équipes robot présentes se sont fait homologuer. Ok, j'ai juste pas vu ce qui s'est passé là, les arbitres. Avez-vous vu cette équipe a touché le robot au dernier moment? Non. Allez, une équipe rentre sur scène, ça deux équipes. Alors, pour un match. C'est le match 32 qui va se jouer. Match 32, donc ça va être Monstre Rapitech contre RoboThrill. Si je me souviens bien, c'est les deux premiers, hein. Non ? Ah non, RoboThrill, c'est le premier qui joue avec Atnos. Donc un match serbo-suisse. Hein. Alors sur la table centrale, on va commencer le match entre Technocrats et Robo Racing Team. Petit rappel, donc les Technocrats, c'est roumain. Dans son roumain, oui. Les roumains, voilà. Et alors, et Robo Racing Team, Autriche. Alors Technocrats sont 16e et Robo Racing Team sont à 8e. Voilà, avec 130 points en deux matchs, donc ils sont dans une bonne moyenne, hein, une bonne moyenne. Ça. Sachant qu'une moyenne type Coupe de France, c'est 70, hein, voire même 75. Ah, il y a un petit problème, ils ont dû arrêter. C'est souci de... Là, ils sont prêts. Bon. Je crois que le robot est arrêté, l'arrêt d'urgence est actionné. Et c'est parti, donc c'est parti, pour rappel, les rouges sont en rouge, Robot Racing Team en bleu. Alors, robots de Technocrates sont récupérés à la moitié des verres, ils les ont ramenés dans le camp pendant que le petit robot, lui, s'occupe des cadeaux. Le seul problème, c'est qu'il a mis les verres trop près de l'assiette, donc il n'arrive pas à bouger maintenant. Oui, j'ai l'impression. En tout cas, le petit robot, lui, il y a un freinage un peu brusque, plutôt qu'une rampe de décélération. Donc du coup il oscille vraiment beaucoup lorsqu'il s'arrête, mais j'ai l'impression que déjà il a rempli sa mission au niveau des cadeaux. Il y a le dernier à faire effectivement. Ah, oui. Parfait, donc 4 cadeaux. Et pendant ce temps, donc Robot Racing Team, le robot, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Pas grand chose, hein. J'ai l'impression qu'il est sorti, il essaie de récupérer quelque chose et il s'est immobilisé. Donc je pense que là le match va bientôt être terminé. Il y a des funny actions en préparation peut-être. Je vois des ballons qui sont gonflés, donc peut-être qu'ils le seront à la fin du match. Moins de 10 secondes de jeu. Hop là, c'est terminé. La funny action pour les technocrates. Je crois que oui, c'est une funny action du côté de. Oui, deux ballons, un ballon de chaque côté. Un ballon rouge d'ailleurs de chaque côté. Ah, c'est des petits ballons, hein. Ouais. Quand c'est juste pour marquer des points, on va pas s'embêter. Exactement. Ok, un petit peu de
petit ballon rouge aussi du côté roumain. Par contre, malheureusement, le robot de l'Autriche ne s'est pas arrêté. Donc de l'autre côté, on va sûrement passer à la table numéro 2, je pense. On va faire Monstre Lapitech, je pense. 4, donc Monstre Lapitech contre Roboskrill. Voilà, donc deux très bonnes équipes. Hein. Oh oui, bah, surtout Roboskrill qui occupe pour l'instant la première place avec, Atnos. Allez, ça va batailler probablement hein, sur ce match. Ça va bien leur demander. C'est ça, hein. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Donc, Monstre Lapitech, c'est devancé par Roboskrill. Roboskrill qui a déjà atteint la moitié du terrain rapidement, qui a récupéré tous les verres, pendant que le petit robot, lui, s'occupe des cadeaux. Le petit robot de Monstre Lapitech, lui, est resté bloqué au milieu, et donc, du coup, vient bloquer Roboskrill. Il a tiré un cadeau rouge. Ouais, mais le cadeau bleu est fait aussi, donc du coup il a piqué un peu le 4 verres, pas le four glasses for the Belgian team. Alors, le gros robot de Monstre Lapitech, lui est en train de parcourir la zone centrale. Je pense qu'il cherche des verres qui n'existent plus, hein, qui ont déjà été récupérés par Roboskrill. Et le gros robot de Roboskrill, là pour l'instant, il se dirige sur sa zone, là il est sur sa zone de construction, mais. Je sais pas trop où il est. Déjà deux tours. Il bouge, mais. Deux tours de trois verres, mais. Il n'y a pas d'obstacle. Espérons qu'il ne les fasse pas tomber. Deux tours de trois verres. Et les robots sont tous rencontrés. Alors, est-ce qu'il va y avoir de l'évitement un petit peu? Les robots ont l'air d'être bien partis pour faire quelque chose et repartir chacun de leur côté. Peut-être. Aïe, aïe. Doucement. Voilà. Contact. Ah, c'est bon. Bon bah, Roboskrill a forcé le passage, hein, et donc du coup il va s'occuper du dernier cadeau qui n'a pas pu être renversé par le petit, hein, afin de terminer la mission, et donc c'est la fin, le ballon qui se gonfle de chaque côté. Alors c'est normal que tu n'aies pas compris la réponse si j'ai dit ma réponse, puisque je n'ai pas répondu, donc voilà. Ah, si, par rapport à l'Algérie et la Tunisie, en fait, on n'a pas de nouvelles les concernant. Donc, le mieux, c'est si vous avez des contacts avec eux, bah, c'est de leur demander. Alors, combien il reste de matchs? Je crois qu'il y en a assez, le dernier, hein. Il y en avait 14. Ouais, non, ça devrait être le dernier, là. Electro Pioneer contre Likebox sur le match numéro 33. Electropioneer, donc les Serbes. Alors, contre Likebox. Likebox, Roumanie. Voilà, Serbe Roumanie. Likebox en bleu. Hein. Likebox est 12e et Electropionnier 9e hein, pour l'instant. Hein. C'est parti donc assez rapidement pour Electropionnier qui s'est placé sur profession de récupérer les gobelets. Et pendant ce temps, le petit robot bleu de Likebox lui s'occupe des cadeaux. Le petit robot d'Electropionnier est resté sur place. En fait, les équipes d'Algérie, du Maroc, d'Inde étaient bien inscrites, mais elles ne sont pas venues. Donc, on ne sait pas pourquoi elles ne sont pas venues. Et voilà, on a le robot de Likebox qui est en train de lancer
des cerises. Ah, il y a un papier qui était resté. Je ne sais pas si, si ça a gêné quoi, en quoi que ce soit les robots. On va voir ça plus tard. Alors, on vient de perdre la vidéo au niveau de la régie. Ah, bon, bah, on va voir si ça revient. Je vous la remets dès qu'on l'a. Hein. Pour l'instant, vous allez vous contenter de notre tête. Allez, c'est bon, c'est revenu. Je vois pas où sont les verres. J'ai l'impression qu'il y a des piles qui ont été faites par Electrofionir. Je crois qu'il y en a sur le côté, il me semble. Oui. Ah, mais oui, ça là, voilà, il y a deux piles, oui. Oui, il y a deux piles, effectivement. Ah, là, côté rouge. Ah, voilà. Il y a mis une dans les côtés, je crois, non? Il y a Electrofionir qui a commencé à lancer de cerises, mais avec beaucoup moins de réussite. Je trouve un petit peu approximatif, quand ouais, même. C'est, là, c'est un peu... Faut dire, c'est fair play de se dire, une chance sur deux pour que ça tombe chez l'adversaire. Bon. Et je me pose la question, si on envoie une cerise avariée dans le panier du voisin, est-ce que du coup c'est le voisin qui prend la pénalité? Non, je pense pas. Non. Je pense pas parce que c'est pour ça qu'il doit avoir les cerises pourries, il doit avoir la couleur de l'équipe. Ouais. Oui, donc ça va se voir, rouges, voilà, c'est pas la bonne. Oui, mais justement, si tu vas récupérer les cerises chez le voisin avec sa couleur à lui, que tu lui mets dans son bac à lui. Bah là, c'est un peu tordu, c'est une stratégie, oui. Je pense qu'il ne sera pas trop apprécié par les arbitres. Ça n'est pas arrivé encore, donc. Ah ben voilà, donc c'est le dernier match maintenant. Allez, on rejoue le match. On rejoue le match, donc Dim Robotics. Que s'était-il passé? C'était Atnos contre Dim Robotics. Bon, a priori, il y a eu un petit souci, donc le match est rejoué. Ah, ou alors c'est robot en bois. Non, c'est normal. Ah, normal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce match? Alors, est-ce qu'on a bien... Ah, c'était pas le match avec la balise qui était tombée. Oui. Ah oui, d'accord. Ils ont peut-être décidé de rejouer le match, effectivement. Alors, je rappelle, hein, c'est Dim Robotics, toujours cette équipe avec ce petit génie de 14 ans. Hein, qui, oui, il a 14 ans, voilà. Oui, ça t'intéressait hier de savoir, voilà, s'il y avait moyen. Donc voilà, il a 14 ans. Trop petit. Je lui dirais, ça lui fera plaisir. C'est incroyable quand même. Hein. Il fait beaucoup plus quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Non, c'est celui de noir. Hein. C'est celui qui est en veste jean. D'accord. Ah oui. Ah, je croyais que c'était l'autre. Non, celui qui est en veste jean qui a 14 ans. Et l'autre, il a quel âge? L'autre, je sais pas. Voilà, donc c'est bien ça, on refait suite à ce problème technique. Alors on remarque vous le voyez d'ailleurs sur la vidéo, les balises de localisation, donc avec une traînée rouge, une traînée verte, donc c'est probablement la vidéo qui leur permet de savoir les coordonnées. Et c'est parti. Je rappelle Atnos qui est au lieu en rouge, Dim Robotics en bleu. Le robot de Dim Robotics qui va récupérer les verres, qui commence à les enfiler. Attention à la rencontre au milieu de la table, c'est bon, pas de contact, mais rien. Impeccable. Les verres sont récupérés. Oh là là, ça fait au moins 2 piles de 3 tout ça. Non. Une pile de 3. Plus qu'à ramener ça à la maison. Aïe. Deux petits. Hop là, une pile de 2, une pile de 4. Voilà. Ah, il y a les deux robots de Atnos et Dim Robotics qui viennent de se rencontrer au centre. Là, c'est bon, le robot d'Atnos vient de lancer ce dégagement. Et il se retrouve, le petit robot se retrouve bloqué par le grand qui récupère le dernier verre présent sur la table. Et le petit robot de Dim Robotics. Qui évolue tout doucement, on se demande exactement qu'est-ce qu'il fait, je pense qu'il s'est un petit peu perdu là sur ce cas-là. Et pour l'instant, le gros robot de Dim Robotics, lui, s'occupe des bougies. Des bougies avec beaucoup d'efficacité, pendant que le petit, en fait, oui, effectivement, il s'est resitué, il s'est replacé au niveau des robots, alors peut-être qu'il va réussir à les ouvrir. C'est pas trop Yvan, et en tout cas, le robot d'Atnos, le gros, ah enfin, le robot d'Atnos vient de ramener
Non, il les a pas laissés. Non, il les a pas déposés. Dommage, Atnos. Il veut déposer ses verres dans son camp et en fait a fait demi-tour et a replacé les verres en dehors. C'est vraiment dommage parce que Atnos, je vous rappelle, partage pour l'instant la première place du classement avec RoboSkill. Et je pense pas que le score qu'ils aient fait sur ce match-là leur permette de garder la marche du podium. Ah, attendez, il faut savoir qu'il y avait très très peu de différence entre les deux équipes puisque c'était 190 points pour Montefi... 182 pour Dim Robotics et 194 pour Atnos. Hein, donc il y a peu de différence. En tout cas, ils ont fait un beau match, hein, Dim Robotics. Alors cet après-midi, finale de la Coupe de France de robotique, c'est à partir de 15h. Pour à partir de 15h, il y aura donc les phases finales de la Coupe de France de robotique qui seront transmises encore une fois par la Web TV avec toujours nous dedans, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc 15h hein, pour cette phase finale. Ouais. Et donc après, pour la suite de Robots, ça sera donc demain. Voilà, et donc demain pour la suite de Robots, sachant qu'il va y avoir donc. Attendez, que je confirme. Voilà, il y aura deux séries demain. Avec les Français qui vont intervenir pour la première fois, puisque on connaîtra cet après-midi les trois sélectionnés, donc probablement les deux meilleurs plus un prix spécial. Enfin voilà, ça a déterminé au niveau de l'organisation du pays. Voilà. Donc en tout cas, rendez-vous à 15h. Voilà. Merci Victoria pour ton analyse consulting. Pour cet après-midi, donc j'aurai un consultant très expérimenté de Microbe. Microbe, c'est une équipe qui a fait au moins une dizaine de coupes. Ils connaissent énormément, ils connaissent beaucoup aussi les équipes, les anciens collègues, les gens avec qui ils ont fait des matchs. Donc ils nous présenteront un petit peu, ils nous parleront de technique, des petites histoires sur certains, ce qui s'est passé. Et puis c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup discuté. Là, ils sont arrivés il y a deux jours, ils sont arrivés hier, ils ont discuté avec beaucoup de centres, voilà. Donc en tout cas, merci pour toi. Et donc, rendez-vous l'année prochaine. Tout à fait, la prochaine hein sera là. Voilà, tu seras là, pas de problème. On garde contact. Enfin bon, on se voit tout à l'heure de toute façon. Et puis, donc vous faites les matchs demain ou pas? Non, parce que nous, demain, on va participer à la Coupe d'Europe. Voilà, donc c'est bien la Coupe d'Europe. Donc ça fait bien la Coupe de France et la Coupe d'Europe qui a été faite par ton équipe. Oui. Voilà, donc c'est bien, voilà, comme ça au moins. Et pas de soucis. Donc demain, on verra ça, on va suivre de près ces matchs. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Allez. Salut. Allez, ciao. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et nous, on va se reposer un petit peu. Je vais vous mettre un plan large pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Hein, parce que le logo, c'est pas forcément génial. Russia, the final score, le score final, 141 points on one side, 105 points on the other side. Victory for Dim Robotics. I have the last score. I have Monstro Lopitec against RoboThrill. RoboThrill, 1569 points for Monstro Lopitec. Victoire 69 à 15 pour Monstro Lopitec contre RoboThrill. Cet après-midi, vous allez retrouver Jean-Marie et Arthur pour la finale de la Coupe de France. Merci d'être venu aujourd'hui. So we'll see you this afternoon for the finals of the French Cup of Robotics.